Village, j'avais l'habitude de voir, mais maintenant, après ces 14 jours, il parlera comme madame. Lui, je le vois, mais non maintenant. Donc, le prophète du Seigneur, que Dieu le frappe d'aveuglement. Je dis aveuglement, je dis aveuglement, il vient de pareil chemin. Même de nous corriger. Mais après la prière, nous parlerons comme voilà. Je le vois, mais non maintenant. Je dis, il y a interruption. Il y a arrêt. Avant la prière et après la prière, je dis, ça peut être différent. Il continue. Je le contemple. Je contemple.
mais non de près. Après la fois de bébé. Et je le contemple. Mais non de près. Il est venu de Mujuma. Il est venu de Calémie. Logeant dans ta maison. Voyant que, au loin, après il a fait quelque chose, ça n'a pas réussi. On lui a payé le billet d'avion. On lui a payé les trains. Il a pris l'avion. Il est maintenant dans ta maison. Oh, il oublie que toi, tu es une étoile. Il va contempler. Et ça ne sera pas de prêts. Au nom du Seigneur, je suis en train de prier que Dieu crée un trou. Que Dieu fasse un écart entre toi et tes ennemis. Et quand il va contempler, ça ne sera plus de prêts. Et lui, ça ne sera plus de prêts. Et lui, ça ne sera plus de prêts. Il sera là. Et quand il va toucher, tu vas réguler. Ça sera plus de près. Même si c'est ton mari, ça sera plus de près. Même si c'est ton père, ça sera plus de près. Il y aura la différence. Il y aura l'éloignement. Je dis éloignement. Éloignement. 14 000 coudées. Droit à gauche et à droite. Que Dieu te donne cela. Du coup, à sa mouton, sort de Jacob. Il attend à ma Jacob. Un sceptre. À sa mouton, par contre. À soi, il garde la calme. Un sceptre. Par contre. S'élève Israël. Il a l'amour quand il a Israël. Les frères et mes soeurs. Du coup, on l'a. Il était là pour maudit. Parle-moi par le temps, man. Mais dit, je vois un sceptre. À sa mouton, on a pas tout la montre. Je vois une canne de pouvoir. On a pas tout la montre. Sorti de Jacob. Il a donc à Jacob. En ce moment-là, Jacob est dans les déserts. Jacob, pourquoi il est là? Ah, pourquoi il m'a laissé? Tu as rien à. Pourquoi il m'a abandonné? Tu as. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as petit. Dieu m'a laissé. Il y a des moments en plein combat. Ceux qui te combattent, ils savent que tu es fort. Mais toi qui es dans le combat, tu crois que tu n'es pas fort. Je suis en train de voir. Abednego, on les jette dans le feu. Le roi dit, je fais facette. Il y a encore le feu. Ceux qui prennent les chandacs, les chandacs, en train de les amener dans le feu. La Bible dit, ils se sont brûlés. Mais ceux qui entraient dans le feu, ne se sont pas brûlés. Ça, c'est ton massacre. Il m'amène dans le feu. Lui, se brûle. Mais moi, je ne brûle pas. S'ils savaient le fait qu'ils avaient allumé, que ce n'était pas à toi, ils n'allaient pas allumer ça. S'ils savaient le fait qu'ils allaient allumer, n'allaient pas te brûler, n'allaient pas brûler tes enfants, n'allaient pas brûler ta carrière, ils n'allaient pas allumer ça. Or, ils ne savaient pas que le fait qu'ils avaient allumé, ça allait les brûler eux-mêmes. Je suis en train de prier ce matin. Que leur propre feu puisse les brûler. Et toi dans le feu là, tu vas te dire, mais où est Dieu? Tu seras dans le feu, tu seras dans les combats, tu seras dans les problèmes, mais ça ne va pas te prier. Tu peux dire, mais où est Dieu? Où est Dieu? Ceux qui t'ont jeté dans le feu, ils viendront pour te regarder. Ils vont dire, n'avons-nous pas jeté trois personnes? Mais comment ils sont devenus à quatre? La quatrième personne ressemble au visage de fils de Dieu. Mais toi qui es dans le feu, tu ne vois pas le visage de fils de Dieu. Mais celui qui t'a jeté dans le feu, lui il voit le visage de fils de Dieu. Ah, je dis tu n'es pas seul. Il n'est pas seul. Si tu étais seul, 10 ans passés,
Le message
annoncé l'arrivée d'un roi. Je suis venu ici. C'est le bras de droite qui annonce l'arrivée d'un gouverneur. Qui annonce l'arrivée d'un homme élevé. Il commence à se déplacer. Et ils se sont dit, comme c'est un roi, n'allons pas même vite. Comme c'est un roi, n'allons pas même vite. Ils ont pris l'or. Ils ont pris les parfums. Ils ont pris l'encens. Ils ont pris l'or. Venant de la Chine. Ils ont voyagé. Des mois et des mois. En train de chercher les doigts. Mais les gens sont venus de loin, de la Chine, jusque là, ils avaient l'information. Mais ceux qui étaient proches n'avaient pas l'information. Hérode s'est dit, je vais chercher l'information. Il appelle les sacrificateurs. Il appelle le scribe. Il pose au sacrificateur la question. Est-ce que vous êtes au courant que dans mon empire ici, il y a un roi qui doit naître?